Les Hachem, nous allons lire les parashiot de Harimot et Kedoshim. À la fin de la parasha de Harimot, on nous parle des Arayot. Arayot ici, cela veut dire les mœurs interdites. On nous énumère tous les cas et on nous met en garde. Attention, il ne faut pas commettre cette faute, sinon, Takia arrête cette trême. La terre, littéralement, vous vomira, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus rester sur la terre sainte d'Eretz Israël. Pourquoi? Eh bien, nos sages, notamment Nachmanide, met en avant ici pour expliquer ce texte l'importance de la terre d'Israël. La terre d'Israël est le lieu de la présence divine, cependant il est le lieu aussi de l'habitation, de la résidence du peuple juif. Si le peuple juif se comporte et est digne de la présence divine, eh bien il peut y avoir la Shekhina. Sinon, eh bien on va prendre le peuple juif et on va le mettre à l'extérieur des terres, des frontière de la terre d'Israël. On aurait pu choisir peut-être eh bien de changer de pays ou bien de changer de peuple, mais il n'en est pas ainsi. Les versets nous disent qu'Akadosh Baruch Hu nous accompagne et que Shrinta Begaluta, lorsque le peuple juif est à l'extérieur de la terre d'Israël, eh bien c'est la Shekhina, la présence de Dieu elle-même, qui va nous suivre et nous supporter. Ceci sur le plan du peuple et de sa terre. Mais nous retrouvons aussi cette idée sur le plan individuel. Par contre, cette idée, eh bien, on la voit tout au début de la paracha. Il est marqué dans le verset « Shochen itam betor tum otam ». Dieu réside, malgré l'impureté du peuple juif, eh bien, il va résider avec eux. Rachid a mentionné que même lorsque le juif aura fauté, eh bien, Akadosh Baruch Hu l'accompagnera, résidera à l'intérieur de lui. Et là, une très grande question. Si la paracha de Haharimot est lue le jour de Yom Kippour, vous savez, c'est parce que le Kohen Gadol, le grand prêtre, devait, le jour de Yom Kippour, procéder à l'expiation du peuple tout entier. Il en faisait d'ailleurs une confession de manière graduelle, en rappelant aussi les fautes du peuple tout entier. À quoi bon faire une kapara ? Voici que même lorsque l'on faute, eh bien, de toute façon, la Shekhina est avec nous, la présence de Dieu nous suit. Et puis, n'est-il pas ici le but ultime d'avoir la présence de Dieu? Alors, quelle est la valeur de cette kapara? Pour répondre à cette question, il faut savoir que, de la même manière qu'à propos de la Shekhina Begaluta, c'est-à-dire de la présence divine qui nous suit à l'extérieur d'Eretz Israël, c'est uniquement lorsqu'on aura corrigé nos erreurs, nos fautes, qu'on pourra retourner en Israël et avoir la présence de Dieu parce qu'on sera digne de ce message, eh bien il ne reste pas moins vrai. Et c'est justement l'enseignement que l'on doit apprendre au niveau même individuel. Ce n'est pas parce que la Shekhina nous suit et nous accompagne, quel que soit notre comportement, qu'on en est digne. Et qu'y a-t-il de pire que d'avoir quelqu'un de très important qu'on n'est pas capable de recevoir avec les égards nécessaires? Autrement dit, sur le plan du cœur de chaque juif et sur le plan de la terre d'Israël, nous devons être capables de donner un écrin qui soit à la mesure de ce diamant qu'est la présence de Dieu. Et la kapara, qui je vous le rappelle sur le plan étymologique vient du terme kippour qui veut dire nettoyage, demande à chacun de faire le ménage intérieur pour mettre de côté ce qui vient empiéter et entacher la présence de Dieu. Autrement dit, « Shochen itam betortum otam » c'est une grande promesse que Dieu ne change pas d'équipe. Il gardera toujours le lien avec le peuple juif. Mais il attend de notre part d'être capable de confesser nos fautes et d'être capable de se préparer à ce que, Be'ezrat Hashem très bientôt, de cette Shekhina Begaluta, de cette présence de Dieu dans l'exil, nous puissions très bientôt jouir de l'éclat de la présence de Dieu en terre d'Israël, avec la reconstruction du temple et la venue du Mashiach Tzidkenu, Bimehera Bi'amenu Amen. Shabbat Shalom.